Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure iRacing. On est ensemble aujourd'hui, eh bien, avec un petit retour aux sources, évidemment. Et la Mazda Global, elle se dispute cette semaine sur le circuit d'Okayama. Et c'est ici qu'on avait commencé l'aventure il y a déjà un an. On va essayer de ne pas broyer le moulin, ce serait bien. On va rester en troisième. On est parti donc pour une course avec 12 voitures sur la grille. On doit d'abord se qualifier. Vous le voyez peut-être en vue télévisée, si je pense à vous l'afficher. On est équipé du numéro 2, ce qui veut dire qu'on va peut-être pouvoir jouer les avant-postes. C'est jamais bon signe, ça. Ce qui veut dire qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur. C'est la dernière semaine de la saison où on peut s'amuser avec ce combo, et je profite d'une soirée de calme sans madame pour essayer de me faire plaisir. Une course toutes les heures, il y en aura peut-être plusieurs selon les résultats qui viendront sur la chaîne YouTube. Alors évidemment, je vais être concentré pendant une partie des vidéos, donc c'est pas là où je parlerai le plus, hein. Si vous voulez m'entendre crier ou hurler, je conseille la carrière F1 2017. Allez, la descente vers le double droit. On va essayer de bien conditionné, voilà, la relance assez tôt, et on est parti. Green flag. Alors on entame en troisième le premier virage. Globalement, c'est un circuit qui peut se faire sur deux vitesses. Là j'étais un peu loin de la corde. On est avec le Thrustmaster TSS Handbrake pour passer les vitesses. On va faire un premier tour de sécurité. Là, j'ai vraiment loupé la corde. J'étais très très large sur cette relance. On va arriver au bout de la grande ligne droite pour un énorme freinage. En tout cas, pour cette voiture, c'est un énorme freinage. C'est pas ici qu'on va se décoller la peau des joues. La descente qui est sans doute ici le coin le plus technique. Ah, du temps de perdu encore une fois. Pas de off-track, on peut être un peu plus généreux sur l'extérieur. On est pas mal. La double épingle à gauche et à droite. On fait tout ça en deuxième. La petite glissade à l'extérieur, ça fait perdre du temps. Mais je rappelle qu'on a deux tours. Allez, white flag. Instant 5e sur cette grille. Prendre un petit peu plus de bordure dans le deuxième tour. Allez, on est un peu mieux dans le deuxième secteur. Va falloir jouer serré dans la descente, qui est le point où il faut être le plus précis, je pense, sur le circuit. On peut taper un peu dans la boîte. Allez, on passe déjà bien plus vite. Un peu de sous-virage ici. Tombé au sixième rang. Je pars passer en 4. Je préfère taper un peu dans le rupteur de la voiture. Qualif, c'est pas trop grave. J'ai accéléré peut-être un peu tôt.
pas mal, pas mal. Passer en 4 pour être bien généreux ici à la corde. Et on va aller chercher la ligne pour le chrono. Et on est pour l'instant quatrième. Et bien voilà, une qualif qui se passe pas trop mal. Quatrième temps, il y a pas mal de pilotes qui je pense vont encore devoir faire un chrono. On va checker ça. Alors 48-2 et nous 49-4. Mon meilleur temps avec cette voiture en entraînement, j'étais descendu en 49-1. Donc quoi qu'il arrive, malgré le 49-1, j'aurais pas pu me mettre troisième. Donc pas de regret. Bon, la première chose positive, c'est qu'on est à l'intérieur. Donc on va pouvoir garder la corde et éviter d'aller se faire piéger dans le premier virage. Il faudra juste vérifier qu'à gauche, on peut se mettre un petit peu mieux. Alors vous avez peut-être une vidéo d'un peu moins bonne qualité en ce qui concerne ma prévue, en tout cas ma vue première personne. C'est normal, c'est que pour le record, je suis en triple screen, histoire de piloter un peu plus à l'aise et profiter aussi de mon plaisir de jeu. Donc j'ai beaucoup de soucis pour capturer uniquement l'écran du milieu en bonne qualité, parce que je suis obligé de le mettre en HD, je peux même pas le mettre en 2K. Donc on va voir ce que cela va donner pour cette course, 10 tours donc de ce circuit d'Okayama. Et on va voir comment on s'en sort. Ouais, on peut espérer aller faire un bon top 5. Je pense qu'on a... Si ça se passe bien, on a de quoi faire. Alors, je pense que tout le monde est bien placé sur la grille. On va pouvoir... Ok. Ça commence bien. Alors, 10 tours de ce circuit d'Okayama, on a une voiture aux couleurs de l'équipe Williams qui est en pôle. On a quitté notre atroce livrée Nvidia qui était dégueulasse. On a une livrée Jumbo, vous allez le voir. Alors Jumbo, si vous ne connaissez pas, sans doute si vous êtes français, c'est l'équivalent d'un Carrefour hein, ou un Lidl, plus à Lidl d'ailleurs aux Pays-Bas, sponsor de Max Verstappen notamment. Allez, évidemment on trouve les sponsors qu'on mérite. Green flag, green flag. Good job, button 10 to go this time, bye. C'est pas le départ de ma vie. Allez, on est quatrième, c'est le principal. Attention, les pneus sont pas forcément super chauds tout de suite. Alors, il y avait un gros écart avec les voitures de devant. Pendant la qualif, on va voir si en course je peux avoir un bon lièvre. Pour l'instant, ça se passe bien. Un freinage loupé pour le troisième, on plonge. Frôler le off-track. Peu de survirage. On glisse, on n'est pas les seuls. Premier tour couvert. Deep breath now.
Petit tour par le gravier pour le deuxième. J'élargis beaucoup dans cette courbe à droite là en remontée. C'est pas forcément volontaire. Un petit peu de sous-virage pour le moment. La voiture se tient plutôt bien. On est tous en setup fixe. Ça aide. Il a dû prendre un off-track devant. Oh, la troisième est pas rentrée dedans là. Ouais, je me suis fait piéger. Heureusement, le pilote qui est deuxième commet quelques erreurs, donc ça nous permet de pas trop perdre de temps. Alors qu'il y a des retardataires qui ressortent en piste maintenant. Ah, j'aime vraiment, vraiment beaucoup cette Mazda MX-5. Ah, tant qu'il n'y a pas de touring car dans iRacing, ça restera ma voiture favorite pour ce genre de petite course. Troisième qui part fort au large. Deuxième, pardon. J'ai failli prendre un off-track. Ouais, il glisse beaucoup. Ça permet au premier de filer tout ça. J'espère que je vais pas le payer de mon moulin en fin de course. C'est Rupteur en troisième. Un point de freinage identique dans le premier virage. C'est l'ombre du panneau qui surplombe la piste. Faudra pas trop se fier à ça dans l'avenir, le jour où il y aura la transition jour-nuit. En tout cas, l'évolution des ombres, ça pourra en piéger certains. Allez, on est pas mal. Cette petite bagarre qui s'installe. Chercher un petit peu d'aspiration, pourquoi pas. Right side. Clear. Ne vous inquiétez pas, moi je le vois. Allez. Right side. Still there at your door. Clear. Mm-hmm.
Ah, il donne toujours un grand coup à cet endroit-là. Toujours pas de off-track. Bon, avec un SR à 4,99 maintenant, je me tracasse plus trop. J'essaie de remonter mon IR, clairement. Parce que j'ai perdu beaucoup sur deux courses. Dont une que vous avez pu voir en vidéo d'ailleurs. Ah, tant qu'il protège l'intérieur, je peux rien faire. Je le vois à ma droite. Hein. Vous n'avez pas les trois écrans, mais moi je le vois à droite. Et on est passé P2. Non sans mal. Bon, le leader, ça va être très compliqué. Par contre, derrière, on en a un qui est très très chaud. Left side. Still there. Still there. Clear. Ah, si les deux derrière peuvent se battre, ça nous donnerait de l'espace de jeu. Ça semble pas être au programme. Il y a une très très bonne vitesse, le garçon derrière. Five to go, buddy. Five more. Come on. Allez, on est au cap de la mi-course. On a eu un dive bomb derrière. J'ai été surpris dans le rétroviseur. Ça a fait perdre du temps. Et Lucero qui est passé. Allez, deux Espagnols qui tiennent la réputation de leur nationalité. Pas simple, hein. Pas simple. Il faut tenir le rythme sans lièvre. Maintenant, nous sommes le lièvre. Allez, je regarde un peu les écarts. 6 dixièmes. Ça se bagarre derrière. C'est bon pour nous, ça. Il faut que ça continue de se battre comme ça pendant au moins un tour ou deux. C'est pas mon plus beau passage, celui-ci. Toujours pas de off-track. Ah, ils sont généreux, hein. Honnêtement, je m'attendais à pire. Alors Lucero qui a un peu chuté, on a toujours Tsargaï qui est derrière, mais Tsargaï a l'air d'être un peu plus chaud. Je sens bien les dives vont venir. C'est vraiment ici que je gagne ou je perds mon tour, moi. C'est terrible, ce secteur-là.
Là, par contre, je suis assez mal ressorti. Perdu beaucoup, beaucoup de temps, trop d'appui sur l'intérieur de la voiture. Ça va être un peu loin pour lui porter une attaque. Il doit surveiller ses rétroviseurs parce que derrière, c'est pas non plus la folie. Lucero qui revient derrière. J'ai l'impression que je suis un peu plus à l'aise que lui sur les freinages, je sais pas pourquoi. Je freine un tout petit peu plus tard. Right side. Still there. Clear. On joue pas notre vie non plus. Faut pas déconner. Left side. Là, t'étais très optimiste, mon grand. Clear, clear. On the left side. Clear. Ah, Théo, il a l'air d'être chaud. Derrière qui commence à glisser pour pas mal de pilotes. Allez, encore deux tours. J'ai loupé cette putain de vitesse. Ah, je vais me faire avoir. Ça zigzague beaucoup. Still there. Clear. Good job. Left side. Still there. Clear. Left side. Still there, your door. Fallait bien prendre un x4. Still there. Still there. Still there. All clear. Ah, right, encore side. Un fois. Clear. Stop doing that now. Come on, be fair, man. Left side. Still there. Clear. Good. And get right back in that rhythm. This is the white flag. You're not fair, man. I'm not gonna be proud if I was you. Désolé, hein, mais à un moment donné, le mec me touche une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est dégueulasse. C'est un peu, je trouve que c'est un peu dommage d'en terminer comme ça. Bon, on va faire quatrième, peut-être cinquième avec la chance que j'ai.
Et le pire, c'est que dans l'affaire, il me met dedans et lui prend plus en... en IR, quoi. C'est ça qui est parfois mal vu, quoi, selon les contacts. Bon, dommage, on aurait pu faire au moins 3e si on n'avait pas eu des soucis. Checker. Good weekend, everybody. I'm a little short, we'll not come out next week. Je voulais juste revoir avec vous en fait quelques actions. Bon, là je suis allé à l'intérieur me faire piéger pour la 2e place. Là, aucun souci, très belle manœuvre, super attaque d'ailleurs du pilote de la 12. Et derrière, on a notre ami. Résultat en fait de ce qui s'est passé, c'est que voilà. Bon, là il m'attaque, ok, la porte est ouverte, il plonge, pas de soucis, c'est viril mais c'est kiffant en fait. Voilà, c'est ça qui est cool. Le problème c'est qu'après, là aussi, pareil, il m'attaque, aucun problème. Moi je me dis, je vais essayer de lui faire la même vu qu'il a l'air d'être chaud pour se bagarrer. Je me dis, je vais lui faire un petit dive bomb ici. Le dive bomb se passe bien et là il ferme la porte, il m'oublie. Bon, il joue du portière contre portière, ok, c'est cool, il défend sa place. Aucun problème, j'aurais fait pareil, j'aurais tassé comme un sagouin. Mais là par contre je suis pas d'accord. C'est dommage parce que je me fais piéger. Bon, je prends de l'IR, etc. C'est pas la fin du monde. Mais j'aurais bien aimé faire un podium. Mais là notre ami Iberico, il nous a bien piégé. Et regardez, là il me tasse, ok, il me tasse un peu. Mais quand je suis à l'intérieur au freinage, bah, là tu laisses la place. Ça croise. Et là hop, premier coup dans le pare-choc. Donc sympa, il y a un moteur qui a pété d'ailleurs derrière, là, je l'avais pas vu. Donc là, je me dis, bon, le mec est chaud, mais il va pas non plus tenter un truc de malade. Là, il a une très bonne sortie. Je me dis, il va sans doute m'attaquer. Parce que je parle pas forcément quand je roule, mais il se passe des choses dans ma tête. Là, il va plonger. Je vais à l'intérieur et là, il me ressort dehors. Dire que c'est même pas, il est à côté de moi. Dire que je change pas de ligne non plus. Je plonge à l'intérieur. Je change pas de ligne sur un coup de tête, quoi, pour l'emmerder. Je vais vraiment l'amener à l'intérieur. Il était même pas à ma hauteur, quoi. Donc là, c'est vraiment. Je trouve que c'est vraiment pas sportif du tout de sa part. Mais bon, ça peut pas toujours bien se passer. En tout cas, on a quand même fait une belle course. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on s'est quand même retrouvé pas mal de fois devant. Des belles petites bagarres, un petit peu de frotti-frotta. Moi, j'ai bien aimé. En tout cas, la MX5 qui est restée eh bien, fidèle à elle-même. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode de l'aventure iRacing. On se retrouve très vite pour vivre ensemble de nouvelles courses. Et d'ici là, bon amusement en piste, les amis. À la prochaine. Ciao.